mer et montagne, landes sauvages et terres cultivées, villages traditionnels et stations balnéaires. Le Pays basque attire les touristes depuis plus d'un siècle. Au fond du golfe de Gascogne, c'est le point de rencontre entre l'Atlantique et la chaîne des Pyrénées. Au Pays basque, le contraste est assez saisissant entre son littoral et l'arrière-pays. Quand on est sur la côte, on voit une grande bande qui est construite quasiment sans discontinuité, hein, sur 40 km entre Hendaye et Bayonne. Et dès qu'on va à l'intérieur des terres, on va trouver les zones cultivées, des villages plutôt dispersés, des maisons très traditionnelles. Deux paysages que tout oppose en apparence et qui pourtant ont un point commun, ils ont été conditionnés par le tourisme. Dans un cas, ce tourisme a permis de préserver l'authenticité de l'endroit. Dans l'autre, au niveau du littoral, il a été complètement bouleversé. Biarritz est la station balnéaire emblématique de la côte basque. On la surnomme la reine des plages. Alain Puyou, historien et spécialiste du développement des stations balnéaires au 19e siècle, et en particulier celle de Biarritz. Biarritz avec ses hôtels, avec ses casinos, ses vagues, c'est évidemment la station balnéaire par excellence. Alors vous êtes historien, Alain, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer comment on en est arrivé là. Alors, ce que l'on voit aujourd'hui n'existait évidemment pas à l'époque. C'était un véritable désert avec une plage, des rochers, un port, un petit port de pêcheurs, de baleines à l'abandon, misérable. Les baleines ne sont plus là, elles ont quitté le golfe de Gascogne depuis le XVIIe siècle. Et en 1854, Eugénie, impératrice des Français, l'épouse de l'empereur Napoléon III, vient, elle connaît Biarritz, elle y amène son mari, qui va très rapidement trouver le site tout à fait admirable et décider, pour faire plaisir à Eugénie, d'y établir une demeure l'été où ils pourront, de Paris, se rendre dans ce sud-ouest atlantique de la France et trouver un certain confort. Et c'est ça qui va déclencher toute l'urbanisation, toute la vie économique de Biarritz et de sa région. C'est à ce moment-là, en effet, que tout démarre. Napoléon III va contribuer à l'urbanisation du site. Il va évidemment opérer ici de grands travaux, arasement de dunes, établissement de la promenade, équipement de la station, premiers bains, premiers hôtels. Et ensuite, il va évidemment doter la ville d'une voie ferrée qui permettra de venir à Biarritz, et cela régulièrement à partir des années 1860. Ça veut dire que les grands de France, les grands d'Europe, tout le monde vient ici à Biarritz ? Avec le chemin de fer, c'est beaucoup plus facile. Les têtes couronnées viennent à Biarritz. On trouve à Biarritz, au moment des séjours impériaux, le roi des Belges, la reine d'Espagne, les princes d'Espagne, les Russes d'ailleurs. On a aujourd'hui des témoignages de cette présence de ces populations, de ces communautés étrangères dans la ville, comme par exemple l'église Alexandre Nevsky, mais on a également des synagogues, des hôtels, des demeures britanniques. C'est une diversité architecturale qui est un peu une signature de Biarritz, en fait. On peut dire cela. Monument célèbre, évidemment, c'est l'actuel hôtel du palais. Évidemment, peut-être que le joyau de cette architecture, même si ça n'est pas sur le style le plus intéressant, c'est l'hôtel du Palais aujourd'hui, hôtel qui ne l'a pas été tout le temps, puisque ce fut là, en effet, que fut implantée la Villa Eugénie, c'est-à-dire la résidence de l'impératrice Eugénie. Eugénie, quand elle vient faire construire sa résidence ici, elle vient chercher quoi, le paysage ? Elle vient chercher ce qu'elle connaît, elle vient chercher l'océan. Et puis, évidemment, il y a ce panorama absolument admirable qu'elle a certainement parcouru dans des lectures, après l'avoir vu véritablement.
Les lectures notamment de Victor Hugo et de tous ceux qui ont fait des voyages dans les Pyrénées. Parce que Victor Hugo est aussi tombé sous le charme de cet endroit. Victor Hugo est tombé sous le charme, en effet. Il a décrit, à l'époque romantique, ce qui constitue finalement la lecture des origines du monde. Il a été séduit par la force de l'océan, par ses rochers percés, par ce cadre tout à fait admirable qu'offre Biarritz. Et puis, ce qui plaît aussi à Eugénie, c'est qu'elle vit à l'écart du village. Et là, en effet, accompagnée de ces dames d'honneur, Eugénie, son fils, passe quelques semaines à recevoir leurs amis, à faire des fêtes, à se promener à l'intérieur du Pays Basque, puisqu'on se rend à la rue, à l'intérieur des terres. L'intérieur du Pays Basque attire les estivants en mal de nature. Ils viennent y chercher le pittoresque des villages et le grand air de la montagne. L'ascension du massif de la Rune, à dos de mulet par l'impératrice Eugénie, marqua le début de ce tourisme vert. C'est un démarrage tout en douceur. À bord de ce petit train, Gabriel Durruti, paysagiste, m'accompagne sur ces hauteurs qui offrent un panorama sur tout le Pays Basque. On est carrément au bord de l'eau, là. Ah oui, oui, oui. On a quoi, à 5 km, 10 km ? Peut-être 10. Et ça, c'est ? Ça, c'est Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz. Depuis 1924, ce train à crémaillère permet d'atteindre le sommet de la Rune, à 900 mètres d'altitude. Là, tu as l'explication du nom de cette montagne, parce que la Réone, la Rune, si tu veux, traduit en basque, ça veut dire beau pâturage, belle herbe. Et là, c'est une végétation relativement rase, mais qui est très riche, à base de fétuques ovines et de fétuques rouges. Et c'est sûr que ce n'est pas une herbe très haute, parce que le climat est un peu difficile. Par contre, avec la surface, l'animal trouve de quoi se restaurer tranquille. Et c'est cette végétation qui donne l'allure de cette montagne qu'on découvre du littoral et de très loin. Voilà. Et par temps clair, c'est-à-dire lavé après une pluie et un vent du sud, ça te donne des couleurs extraordinaires. C'est une montagne qui est réduite à cet état-là par le pâturage des animaux. Puisqu'au départ, s'il n'y avait pas d'animaux, ça fait partie de la chaîne atlantique, donc tu aurais du bois. De la forêt. De la forêt, du chêne. Et ça, c'est typique de la région, non? Ça, si tu veux, c'est une des bases de ce pastoralisme, puisque c'est le bouturoc et c'est l'animal un peu important, qui, lui, trace la route, écrase la végétation importante et suivi de la brebis qui, elle, n'a pas les moyens de se frayer un passage, mais qui profite du passage créé par les animaux supérieurs. Et ce cheval, tu l'as appelé potioc, c'est oui. Ça? C'est un animal qui vit toute sa vie en montagne. La majorité sont quand même laissés à leur vie sauvage. Moi, je dirais à leur vie libre, puisque sauvage, non. Ils appartiennent tous à quelqu'un. Ils sont quand même contrôlés, mais de temps en temps. Et puis, il a du caractère. Il se laisse pas... Il est très tenace. C'est un cheval basque, quoi. Absolument. Une demi-heure d'ascension en train, voilà enfin le paysage de la Rune. Alors on a du premier coup d'œil un peu trois types de paysages. Le littoral à proprement parler, quelque chose qui ressemblerait à du bocage, et puis le côté plus montagneux. Oui, en fait il se décline en plusieurs bandes. Donc la frange côtière qui est très urbanisée, mais pas partout. Bon, sur Biarritz et Bayonne et Anglet, c'est très urbanisé, mais déjà ici sur Rugne, on voit un peu l'état d'autrefois. C'est-à-dire que le village est à l'abri de la petite colline et la colline protège de la mer. On a un littoral qui est très construit, mais évidemment, ça n'a pas toujours été le cas, parce que tout bêtement, on n'habitait pas sur le bord de mer. Non, on faisait de l'agriculture et de l'élevage jusqu'à la dernière limite, mais après, le front de mer, c'était un peu compliqué. Il y a des tempêtes, il y a du froid, il y a de la pluie. Et bon, après tout, il y avait le choix. Et on peut toujours éventuellement y envoyer les animaux, mais en les ramenant le soir à l'abri. Et dans les autres parties où il n'y avait pas d'élevage, la frange côtière était surtout des pinèdes et des bois. Et le dernier étage, c'est la partie plus montagneuse. Voilà, alors le piémont, avant d'arriver à 900 mètres, il y a quand
quand même des collines qui sont à 400, 600, etc. Mais ces parties-là sont aussi exploitées, puisqu'on voit des troupeaux de brebis. Et donc, c'est un territoire qui sert de réserve, parce que si pendant 15 jours il ne pleut pas, il fait quand même de temps en temps des périodes un peu difficiles, ben, c'est une réserve de nourriture, malgré tout, parce que l'espace nourrit l'animal. Alors qu'en bas, peut-être la sécheresse fait qu'il y a moins d'herbe, mais la montagne n'est pas délaissée. La montagne est utilisée, était utilisée, peut-être un peu moins maintenant. Mais là, en tout cas, un rôle tout à fait essentiel. Ce n'est pas qu'un lieu de parcours et de course en montagne, c'est un lieu de vie. Et oui. On a tout ça dans ce panorama. Oui, c'est sûr. L'élevage dans les montagnes, la polyculture dans les vallées, l'agriculture est la principale activité économique à l'intérieur du Pays basque. Profitant du développement du tourisme et de l'attrait pour les traditions culturelles, les agriculteurs ont relancé la production du piment d'Espelette, cultivé depuis le XVIe siècle. Pierre est producteur de piment. Joyeux. Oui, correct. Merci. Bonjour. Bonjour Arnaud. Il paraît qu'on a l'occasion de goûter le piment d'Espelette chez vous. Oui. Tu veux goûter? Moi, volontiers, oui. Ne vois pas dans ma précipitation à te faire goûter un piège. Hein. C'est... Je suis serein pour voilà, l'instant. Voilà. Donc, le piment peut s'ouvrir comme ça. Tu as la partie épiderme, tu vois. Normalement, il faudrait que tu enlèves les graines quand même. Et tu peux croquer dans la partie épiderme qui est plutôt sucrée. Méfie-toi de ces petites bandes-là qui sont un peu plus jaunes ou orangées, qui sont bien chargées en huile essentielle. C'est là où il y a tout le piquant. Voilà, les capsules de bombes à retardement sont là-dedans. Et dans les graines, mais les graines, il faut pas, on ne les mange pas. Alors effectivement, c'est tout sucré. Pour ce qui est du retardement, il y a quand même une petite montée en température derrière, mais ce n'est pas violent. Effectivement, c'est surtout goûtu. Voilà. Donc c'est une production en termes agricoles, c'est une production importante Très importante pour le localement, très important pour la survie de la petite agriculture. C'est très important. Et ça fait quand même 100, une centaine d'hectares. Oui, et qui sont répartis sur 10 communes. Et c'est des communes qui sont très proches de la côte. Donc sur ces communes, tu as une pression foncière très importante. Et le piment a participé à rendre donc, l'agriculteur... autonome. Mais en quoi ça défend le paysage tel qu'il est aujourd'hui? Et parce que c'est l'agriculture qui fait le décor, c'est lui. Si tout est urbanisé, vous n'aurez pas ces couleurs vertes, ces couleurs mordorées. Tout va partir à l'abandon, les collines, tout en ça, plus. Si personne ne les entretient, beaucoup de parcelles seront envahies par les ronces et les touillas et la fougère. Personne ne pourra plus se promener. Et tu as... C'est-à-dire les randonnées, tout ça, beaucoup d'endroits, ce sera plus possible. Donc du coup, ce piment d'Espelette, il fait partie du paysage aujourd'hui. Et il participe à son maintien. Tout à fait. Nicolas Sorsabal est étudiant en histoire de l'art. À Espelette, tourisme et vie rurale rythment la vie du village. C'est jour de marché, Espelette, aujourd'hui. Mais oui. Et ça se passe toujours ici, sur le terrain de pelote basque? Alors ici, c'est le Frontan. Et le Frontan est toujours resté dans la société basque le forum, c'est le lieu où on se rassemble. Et l'église n'est jamais loin, en général, comme le Frontan dans l'Antiquité. Et ici, comme vous voyez, aujourd'hui, on a un marché aux bestiaux. Et la vie va s'organiser un petit peu, va se passer ici, la vie sociale, les interactions, voilà. Le commerce. C'est là qu'on parie, c'est là qu'on discute, c'est les lieux de rassemblement. Ce village d'Espelette, c'est pas uniquement une carte postale, il a aussi une existence rurale. Effectivement, il y a une vraie vie de village ici. On est au carrefour de différentes traditions qui sont préservées. Et il y a toujours une vie agricole très active qui permet justement de soutenir la vie locale. Alors c'est un point de vue peut-être un petit peu naïf, mais pour moi la maison basque maintenant c'est le rouge. Les volets rouges, les colombages rouges, ça a un sens particulier cette couleur pour qu'elle soit partout? Il y a effectivement une raison, c'est qu'à l'origine, on peignait tous les volets, les poutres et les solives en rouge avec du sang de bœuf.
Avec du sang de bœuf, oui. Qu'on est allé sur les façades. Alors, à l'origine, c'était comme ça. Alors, il existe aussi des volets verts. Oui. Alors, cela, c'est du sang de quoi? Parce qu'il n'y a pas que du rouge hein, dans le paysage. On croise moins, c'est vrai, mais il y a aussi des maisons à volets verts. Eh bien, ce qui se passe, c'est que dans les zones côtières, on va récupérer les fonds de peinture qui servaient pour les bateaux, pour peindre les volets. Et c'est pour ça qu'on a du vert et du bleu qui se sont ajoutés à cette gamme. Alors c'est surprenant parce que quand on se promène sur la côte, on découvre une architecture un petit peu foisonnante, hétéroclite, un peu extravagante. Et dès qu'on rentre dans les terres, on a quelque chose de beaucoup plus homogène qui, j'imagine, correspond à l'architecture typique basque. Effectivement, sur la côte, ça parle dans tous les sens. C'est cette épopée balnéaire qui va considérablement modifier le littoral. Tandis que dans l'arrière-pays, on va avoir une préservation des modes de vie et des petits villages qui font aussi l'admiration de ces touristes. Donc il y a un vrai va-et-vient entre la côte et l'arrière-pays. Et paradoxalement, ça veut dire que la très forte fréquentation du littoral a renforcé l'identité et les traditions basques. Exactement. En contrepoids, on va avoir un renforcement identitaire et la culture basque va être d'autant plus prônée qu'elle va s'affadir sur la côte basque. En un siècle, la population de la côte basque a été multipliée par 10. Les constructions ont poussé tout au long du littoral. Seul îlot préservé, entre Andaï et Saint-Jean-de-Luz, la corniche basque. Ganish Grabière est responsable du domaine d'Abadia, un site très préservé. Alors ce morceau de littoral, on comprend qu'il ne soit pas construit aujourd'hui puisqu'il est protégé. Mais à l'époque de la grande mode balnéaire, comment se fait-il qu'il ait été épargné par la grande urbanisation? Ben, ce paysage, il est beau, mais il explique également tout. Il n'y a pas d'accès sur cette longue portion de côte, pratiquement 8 km de côte. Il n'y a aucun accès facile, je dirais, à la mer. Pas de plage, pas de port. Donc du coup, ben, ça limite l'occupation balnéaire. C'est un secteur qui va être utilisé, mais pas occupé par l'urbanisation liée au tourisme. Et aujourd'hui, c'est un avantage pour le tourisme, parce que c'est un paysage quand même qui est très emblématique de la région. Tout à fait. Même d'un point de vue touristique, du coup, ça devient très intéressant, puisqu'il n'y a pas une brochure du comité départemental du tourisme où il n'y ait pas une vue de cette partie de côte. C'est ces paysages-là que l'on va mettre en avant, et ce n'est pas les immeubles modernes des années 60 ou 70. Et le site naturel protégé, il s'étend d'où à où sur le littoral, là? Le site naturel protégé, il est constitué de deux parties, l'une étant incluse dans l'autre, en fait. Il y a le domaine d'Abadia, qui est situé sur la commune d'Andaï, que l'on aperçoit ici, à ma droite. Et le domaine d'Abadia, qui fait partie d'un ensemble qui est plus vaste, qui est la corniche basque, qui va d'Andaï jusqu'à Sokoa, et ça fait grossièrement 8 km de long, avec une ambiance, un caractère à cette côte qui a certainement prévalu à ce classement. Une ambiance et une végétation un petit peu particulière liée évidemment au climat basque, dont la pluie fait partie. Ben oui, on ne va pas le cacher, il pleut un petit peu au Pays Basque. Non, il pleut au Pays Basque, bien évidemment. C'est pas étonnant, si on est aussi au sud et si le Pays Basque est aussi vert, c'est parce qu'il y a de l'eau, il pleut. Il pleut, c'est vrai, par contre, les hivers sont des hivers très doux, on a une amplitude thermique très, très faible entre l'hiver et l'été. Et donc ça va donner le croisement entre la végétation atlantique et la végétation méditerranéenne. Si on a de la végétation méditerranéenne, c'est pas parce qu'il y a de la pluie ou parce qu'il fait chaud l'été, c'est surtout parce qu'il fait pas froid l'hiver. Voilà. La rencontre des deux. On est au bord de l'océan. Les vents dominants sont des vents de nord-ouest qui nous amènent à cette douceur et qui nous amènent également à cette humidité. Alors il y a la pluie aujourd'hui comme elle coule, on le sent bien, et puis il y a aussi souvent une humidité relative dans l'air, un taux d'hygrométrie qui est relativement conséquent. Et c'est tout ça qui fait que le Pays Basque peut être aussi vert. L'océan qui amène le vent également, et le vent qui va conditionner la végétation qu'on trouve ici. Alors tout à fait. Alors ici, on est dans un paysage de landes maritimes que l'on va caractériser par trois espèces, la fougère, la bruyère et la jonc. Et c'est le vent qui conditionne ça, c'est-à-dire que... Qui va empêcher des végétaux plus ligneux, plus durs, les arbres, les arbustes, de s'installer. Donc on va avoir ces formes en coussinet très caractéristiques, très aérodynamiques, qui vont permettre à la végétation de résister et de coloniser les falaises. Donc dans ce paysage, on arrive à lire le climat, du Pays Basque. Voilà, aujourd'hui, il est humide. Il n'est pas toujours comme ça, mais aujourd'hui, il est humide. Thank you.
Le paysage en pâte feuilletée comme ça, c'est une spécialité géologique basque, ça? Ah oui, on peut même parler de millefeuilles. On a cet empilement de couches successives, les unes au-dessus des autres. Toutes ces strates que l'on voit à l'oblique, eh bien, elles étaient plusieurs centaines de mètres plus bas. Seulement, avec la poussée de la plaque ibérique vers le nord, eh bien, tout ça va être pris en sandwich et ça va basculer. Et donc, ça redescend aussi en même temps. Et ici, on est sur les Pyrénées, à 0 mètre d'altitude, mais en plein sous les Pyrénées. Mais en fait, on assiste en ce moment au bousculement de ces plaques par l'autre plaque, la plaque espagnole, et qui vient taper, qui fait monter les Pyrénées et qui vient plisser tous ces trucs-là. Tout à fait. Ça pousse, ça continue à pousser. Les Pyrénées sont nées il y a fort longtemps, il y a 35 millions d'années, mais elles n'ont pas fini, elles continuent à pousser. Elles s'élèvent d'une vingtaine de centimètres en 25 ans, ce qui est quand même colossal à l'échelle des temps géologiques. Et à l'opposé, on a une élévation, mais à l'opposé, ici, sur le littoral, bien sûr, on a aussi des phénomènes d'érosion. Et donc cette érosion, elle se fait par l'eau de pluie, principalement, qui s'insinue dans toutes les rayures, mais aussi par la mer qui vient... Très souvent, on pense que l'érosion est le fait de la mer. Ici, ce n'est pas la mer qui est le premier facteur d'érosion. Le premier facteur d'érosion, c'est l'eau de pluie, parce qu'on a ces strates qui sont inclinées à l'oblique, comme ça, et l'eau va pouvoir s'infiltrer entre les strates, créer des pressions qui les désolidarisent. Et l'action de la mer, c'est de déblayer tout ce qui est tombé en bas, ce qui permet aux strates suivantes de glisser d'autant plus facilement. La côte basque attire chaque année près d'un million de touristes. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus les vertus curatives des bains de mer qui font la renommée de ces plages, mais la force des vagues. Depuis un demi-siècle, Biarritz est l'un des principaux spots de surf en Europe. La côte basque et Biarritz en particulier, c'est une région qui attire beaucoup les surfeurs. Ça fait longtemps que ça dure. Alors le surf a démarré en 1957 avec une planche qui est arrivée dans une malle de costume pour un tournage. Et puis les jeunes du coin ont récupéré cette planche, se sont accaparés et ont découvert donc qu'on pouvait se mettre debout et prendre des vagues debout. Et le surf s'est développé sur la côte basque parce que les vagues sont particulièrement bonnes ici. Et pour quelle raison ? Alors, c'est simple, c'est que le plateau continental n'avance pas ici. Il y a la fosse de Cap-Breton. L'océan est très profond dans le golfe de Gascogne. Et donc, quand la houle arrive pour déferler sur la côte, elle n'est absolument pas ralentie par le plateau continental. Donc, elle arrive surtout à pleine vitesse. La vitesse de la houle qui arrive sur la côte basque est deux fois plus rapide que celle qui arrive en Bretagne. Et le surfeur, quand il est sur l'eau, il passe pas son temps sur la vague, il a plutôt tendance à rester sur sa planche comme ça. Il a un petit côté contemplatif sur la côte et sur le littoral. Tout à fait. Il faut capter la vague là où elle est, où elle arrive. Donc il faut l'attendre, la repérer, la chercher. Et pendant ce temps-là, forcément, on regarde aussi le paysage. On est sensible à la luminosité, la clarté de l'eau, la côte, les nuages. Évidemment, le surf au coucher de soleil, c'est extatique. En train de nous dire que le surfeur, c'est pas uniquement un sportif qui monte sur les vagues, mais il est aussi un admirateur du paysage. Le surf, c'est des visions. Des visions du paysage, d'une atmosphère océane qui le marque et qui font la saveur de sa session. Là, j'ai vu, tu es en train de me dire que pour le surfeur, la vague fait partie du paysage. Non seulement elle fait partie du paysage pour le surfeur, mais elle est un patrimoine. Et les surfeurs ont créé une association qui s'appelle Surf Rider Foundation, qui défend l'environnement. Et ils font valoir qu'une vague est un patrimoine quand celui-ci est menacé. Quand on construit une marina dans une petite crique qui avant était propice à un déferlement magnifique de surf, on va enrocher d'une certaine façon la côte et le déferlement de la vague va être modifié. Et du coup, ce patrimoine disparaît. Et la beauté d'un déferlement, c'est un patrimoine qu'il faut préserver. Un patrimoine éphémère, bien sûr, mais justement, c'est parce qu'il est éphémère qu'il est rare, qu'il est d'autant plus important de le préserver.